Monsieur le Président, Monsieur le Président, parfois, quand on pense au gouvernement, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. La ministre des Finances, dans la mise à jour économique, avait annoncé que le budget serait équilibré d'ici 2028. Or, le budget montre qu'il n'y aura jamais d'équilibre. Mais avant de déposer le budget, elle a indiqué que les dépenses déficitaires alimentent l'inflation, mais pourtant, il y a plus de 60 milliards de dollars qui s'ajoutent et en bout de compte, cela coûterait 4 200 dollars par famille pour ce déficit. Alors, pourquoi ne pas reculer? La vice-première ministre, vous savez, Monsieur le Président, ces conservateurs continuent de dénigrer le Canada et l'économie canadienne. Ils le font constamment. Mais de notre côté de la Chambre, nous croyons dans le Canada et nous savons que nous avons le meilleur rendement économique parmi les pays du G7. Je vais vous donner des statistiques. Après que nous ayons déposé le budget, S&P a réitéré notre cote triple A. Ça veut dire que le Canada fait partie des trois pays parmi les pays du G7 qui a l'ordre, l'honorable chef de l'opposition. A dit en automne qu'elle allait équilibrer le budget en 2028. Mais dans ce budget, elle a dit qu'elle allait l'équilibrer jamais. Des semaines avant le budget, elle a dit que les déficits mettent de l'huile sur le feu inflationniste. Donc, elle a ajouté un autre 60 milliards de dollars de l'huile. Ça veut dire 4 200 dollars pour chaque famille canadienne. Pourquoi les Canadiennes doivent-ils payer pour les volte-face et l'incompétence de cette ministre? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, c'est important de citer les données. Et c'est important aussi de comprendre que le Canada, c'est le pays dans le G7 qui a l'économie le plus forte. Et Monsieur le Président, je vais citer des faits pour démontrer ça. Par exemple, Monsieur le Président, la croissance économique de notre pays dans le premier trimestre de cette année était 2,4 %. Monsieur le Président, maintenant, Canada a récupéré 129 % des emplois perdus pendant la pandémie et c'est vers 115 % dans les États-Unis. Honorable chef de l'opposition. Écoutez, la ministre, on voit qu'elle et le premier ministre sont totalement déconnectés de la réalité quotidienne de monsieur et madame tout le monde. On comprend pourquoi elle a quitté le pays. Elle évite les questions depuis l'introduction de son budget très impopulaire. Elle est dans les universités américaines au lieu d'aller parler au vrai monde ici au Canada. En fait, c'est elle qui avait avoué que les déficits alimentent l'inflation et qu'elle allait mettre en place une règle de trouver un dollar d'économie pour chaque dollar de dépense. Où se trouve cette promesse dans l'action de leur budget? Bravo. L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, la semaine passée, j'étais très fière d'être en Japon à la réunion des ministres de Finances du G7. Et c'est important pour les Canadiens de comprendre que peut-être les conservateurs pensent que la ministre des Finances du Canada ne doit pas être à les réunions au niveau international. Si c'est ce que les conservateurs pensent, ils doivent dire la vérité aux Canadiens. Et concernant l'économie canadienne, nous avons l'économie la plus forte dans le G7 grâce au travail des Canadiens et de notre gouvernement. Le chef de l'opposition. Bien, c'est assez impressionnant. La vice-première ministre et le premier ministre participent à des réunions très importantes au Japon, aux États-Unis, rencontrent des gens très importants qui viennent un peu partout au monde. Mais nous, nous parlons des Canadiens ici qui ont de la difficulté à payer le loyer. Il y a un Canadien sur cinq qui saute un repas parce qu'ils ne peuvent se permettre la taxe carbone sur la nourriture. 1,5 million de Canadiens qui fréquentent les banques alimentaires et certains d'entre eux demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'arrivent pas à payer les factures. La ministre a admis que ces dépenses causent l'inflation, mais pourtant, elle continue de dépenser. La vice-première ministre,
Monsieur le Président, soyons très clairs. Qu'est-ce que les conservateurs insinuent? Les conservateurs essaient d'insinuer aujourd'hui qu'il y a une notion d'élitisme et que ça va contre l'intérêt des Canadiens ordinaires lorsque les chefs et dirigeants du pays participent à des réunions du G7. Alors voilà ce que je poserais aux Canadiens. Est-ce que c'est une mauvaise chose que le premier ministre rencontre le président des États-Unis ou le premier ministre du Royaume-Uni? L'honorable chef de l'opposition. Non, il faudrait qu'elle se rappelle que ceux qui paient la facture habitent ici, au Canada. Ici. Ce sont les gens qui sont complètement oubliés par les libéraux lorsqu'ils voyagent à l'étranger et lorsque la vice-première ministre se rend aux États-Unis et qu'elle donne des discours dans des universités américaines et elle oublie qu'il y a un jeune Canadien sur neuf qui ne peut se permettre une propriété parce que les taux d'intérêt sont si élevés en raison de ses déficits et elle oublie qu'il y a des aînés qui n'arrivent pas à remplir leur frigidaire parce que l'épicerie devient trop chère. Alors pourquoi ne pas revenir au Canada et travailler pour ceux qui se trouvent ici? La vice-première ministre. Vous savez, Monsieur le Président, pour quelqu'un qui habite dans une résidence payée par le gouvernement, et je parle d'une résidence avec plusieurs pièces, avec un chef et un chauffeur, et qui est payée par les contribuables, eh bien, cette personne-là ne devrait pas laisser entendre que notre gouvernement agit contre l'intérêt des Canadiens lorsque ses dirigeants participent à des réunions du G7. Nous sommes fiers de représenter le Canada à l'étranger, nous allons continuer de le faire. Il y a un an, la ministre des Finances a dit qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Notre ratio dette PIB doit continuer de diminuer et nous devons réduire notre dette. Voilà la limite à ne pas franchir. Mais qu'en est-il? Ça coûte maintenant 4 200 $ de plus par chaque famille canadienne. Le ratio dette PIB est en hausse cette année et puis maintenant, le déficit sont illimités. Alors, regrette-t-elle d'avoir fait cette promesse aux Canadiens? La vice-première ministre. Monsieur le Président, s'agissant de la dette et du ratio dette PIB, alors je tiens à citer quelqu'un en qui tous les députés ont confiance, c'est-à-dire le directeur parlementaire du budget. Au comité des finances, il y a quelques semaines, il a déclaré ceci. Quand on se compare aux autres pays du G7, on constate que le Canada est en bonne posture par rapport au ratio dette PIB. Et aussi, par rapport à l'agence Moody's, il est indiqué que le Canada devrait être heureux parce que, d'après les standards, le Canada s'en tire bien. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le directeur parlementaire du budget, le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, le premier ministre et la vice-première ministre ont un bilan trop piètre pour leur privation. Ils ont indiqué que la déflation serait plus un problème que l'inflation. Et lorsque l'inflation est arrivée, ils ont dit que ça ne durerait pas. Et la vice-première ministre a dit que l'économie continuerait de s'accroître, mais pourtant, l'économie en ce moment est au point mort. Alors, nous dépensons davantage en intérêt pour la dette que ce que nous envoyons en santé aux provinces. Alors, comment est-ce que les Canadiens peuvent se permettre de continuer d'aller de l'avant avec ce gouvernement? La vice-première ministre, vous savez, Monsieur le Président, laissez-moi vous dire qui paie le prix des politiques économiques des conservateurs. Et je pense aux positions économiques des conservateurs. Qui en paie le prix? Ce sont les Canadiens les plus vulnérables. Lorsque nous sommes entrés au pouvoir, les Canadiens étaient dans une position autre. Et puis depuis, 2,7 millions de Canadiens se sont sortis de la pauvreté. Nous avons accru le supplément de revenu garanti et 900 000 aînés s'en tirent mieux depuis. Nous, à l'ordre, je demanderai aux députés qui se trouvent à l'avant de donner l'exemple aux députés qui se trouvent à l'arrière. Ça pourrait être utile. La députée de Peterborough-Kawartha, le budget inflationniste de
de la ministre coûte 4 200 $ de plus à chaque famille canadienne. Mais voici ce qu'elle avait dit. Nous sommes absolument déterminés à ce que notre ratio dette PIB continue de diminuer et nos déficits doivent continuer à être réduits. C'est notre cible budgétaire et c'est une limite à ne pas franchir. Alors, clairement, elle comprend que les déficits de son gouvernement sont à l'origine de l'inflation, des taux d'intérêt et du coût de la vie élevé. Alors, je lui donne encore une fois la chance aujourd'hui d'écouter son propre conseil et de mettre fin à ses dépenses inflationnistes. La vice-première ministre. Monsieur le Président, alors, voilà la question que les conservateurs doivent se poser. Où est-ce qu'ils couperaient? Vont-ils couper dans les 200 milliards de dollars que nous avons investis dans la santé? J'espère que non, parce que les Canadiens sont fiers du fait que le gouvernement central appuie les système de santé. Est-ce qu'elle couperait dans le financement à la garderie? Alors, j'espère qu'ils n'entreront jamais au pouvoir parce que vous savez quoi? Les familles canadiennes ont besoin de ce soutien.